estas imágenes y en esta historia, parece que siempre hay quien está en el foco y quien está fuera de foco. Me encanta su enfoque sobre el centro de la toma, digamos, con la cámara. Y lo que está alrededor, el fondo de la imagen. Usted tiene también un libro maravilloso, Pueblos en lágrimas y pueblos en armas, se diría en español. Uh-huh. El pueblo siempre está en el fondo de la imagen. Para poder verlo, dice usted, en algún momento hay que salirse fuera de foco y ver lo que no está bien enfocado. Pero es la única posibilidad. ¿No puede haber una imagen de los pueblos que hagan los pueblos mismos, por ejemplo? Sí. Donde ellos estén en el centro del foco, o la posición de centro está vedada para la resistencia. C'est tout l'enjeu, hein? C'est l'enjeu en fait d'une pratique du regard. Quand vous regardez la mer, par exemple, donc vous pouvez soit regarder les vagues, la forme de la mer, mais vous pouvez changer votre point de vue, votre même une sorte de registre du regard, et puis vous regardez par exemple seulement les reflets de la lumière, et vous verrez tout autre chose. Ou bien, en musique, vous écoutez une sonate de Bach pour la flûte, vous écoutez la structure musicale, mais vous pouvez écouter aussi comment le flûtiste reprend sa respiration. C'est-à-dire, vous pouvez écouter les moments où il fait parce que c'est très difficile à jouer. Alors, ça, c'est des modes de regard où il faut varier. Il faut faire varier le regard de façon à ce qu'il ait une valeur heuristique, une valeur de connaissance. Dans le cas que vous posez, qui est très très intéressant, forme, fond. Moi, j'ai commencé mon travail d'historien de l'art par une critique qui m'a été beaucoup reprochée de Panofsky. Mais je l'aime beaucoup, c'est un très très grand historien de l'art. Et simplement, par exemple, sur un exemple très précis, qui était par exemple son analyse de l'allégorie l'allégorie des trois âges de la vie, où on voit trois visages, avec trois visages d'animaux dessous, du Titien, Tiziano. Il analyse très très bien. Mais moi j'avais dit, il regarde que la figure, il n'a rien dit du fond. Le fond pour lui c'est neutre. Et au fond, il regarde ce tableau comme si c'était une photographie dans laquelle le fond noir serait neutre. Quand on connaît Titien, on sait que même quand il peint juste du noir, c'est toute une histoire. C'est très beau, c'est comme... Donc, je proposais qu'on ne regarde pas que la figure, mais qu'on regarde aussi le fond. Et quand j'ai travaillé sur la peinture de la Renaissance, j'ai travaillé sur des zones qu'on considère toujours comme des zones de fond ou de décor. C'était les marbres, les faux marbres, les choses comme ça. Eh bien, en politique, il faut faire exactement la même chose. Il faut, donc, ou en histoire politique. Mais ça, c'est ce que dit Benjamin. Benjamin dit exactement ça. Il dit, il y a une histoire, en fait, des vainqueurs. Donc, il y aura une histoire de Napoléon, une histoire de je ne sais plus qui, Churchill ou qui vous voudrez. Et puis, il y a l'histoire ce qu'il appelle en allemand les Namenlosen, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de nom, les sans-nom. Et il dit, c'est eux le fond de l'histoire, mais c'est eux les vrais acteurs de l'histoire. Et c'est pour eux qu'on prend la parole, si on veut être cohérent. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et alors, par exemple, si on étudie... Qu'est-ce que fait un cinéaste avec ce qu'on appelle les figurants? Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Les gens qui n'ont rien à dire, qui sont au fond, etc. Devant, il y a... je ne sais pas, Brad Pitt, voilà. Puis derrière, il y a toute un prolétariat de Hollywood qui n'a rien à dire. Vous voyez? Alors, il m'a semblé... dans le cadre du cinéma, que la façon dont un cinéaste traite ses figurants montre tout de sa politique. Voilà. Toute son idée. Voilà. Et celui qui est nul, par exemple, c'est Spielberg. Et celui qui est génial,
C'est Pasolini. Dans Pasolini, on a envie de connaître chaque personne qu'il filme, même quand il filme une foule.